My name is Ali Haji. I'm a mayor of Zanzibar Municipality Council. I'm very happy to be with you, Mr. Baker. And I would like to take this chance opportunity on behalf of Zanzibar. Welcome to Zanzibar. I'm very happy to be with you this time. Also, I have very much, because just you have helped us different projects. I'm very happy for that. So we are together for that. Partout dans le monde, la crise du Covid a davantage fragilisé les populations vulnérables et oubliées de tous, ainsi que les micro-ONG qui œuvrent pour elles. La mission d'Art Squad, les accompagner durablement dans leur développement avec votre soutien et celui d'influenceurs engagés qui se mobilisent à nos côtés pour faire rayonner leur admirable engagement. Accompagnés de Marie, chargée de projet, tous ont accepté mon invitation à intégrer l'escouade afin de découvrir ces organisations, comprendre les défis et problématiques auxquels elles sont confrontées et mettre en lumière leurs besoins prioritaires ainsi que leurs projets et leur impact. C'est un formidable voyage engagé qui s'annonce, jalonné de nombreuses rencontres inspirantes et de projets solidaires concrétisés grâce à vos contributions. Aujourd'hui, c'est Aurélie, double finaliste de l'émission d'aventure Pékin Express et entrepreneuse à succès, qui va découvrir l'admirable engagement de Kawa Training Center. Fondée en 2010, l'ONG a déjà permis à plus de 1200 jeunes adultes défavorisés de se former au métier de l'hôtellerie et du tourisme. Bonjour, c'est Stéphane. Je sais que dans quelques heures maintenant, la grande aventure d'Aurélie et de ses amis va débuter en Tanzanie. Je voulais vous dire que je suis avec vous par la pensée. Bravo encore pour cette formidable initiative. Et puis, vous allez voir, la Tanzanie, c'est un pays extraordinaire avec des gens merveilleux. Je vous embrasse très fort et bon courage pour tout ce que vous allez faire là-bas. Hey Aurélie. Salut Bekay. Comment ça va? Ça va et toi? Oui, super. Merci d'être venu. Bah, merci de m'avoir invité. Bah, je t'en prie, c'était un grand plaisir. Aurélie, moi je te proposais d'aller visiter une organisation qui s'appelle Kawa, qui permet à des jeunes adultes en situation de précarité de bénéficier de formations dans l'industrie hôtelière et touristique, donc ici à Zanzibar. On va rencontrer Suzanne, qui est la fondatrice de Kawa, pour la remise des diplômes aux jeunes filles qui ont bénéficié de 2 semaines d'intégration en vue de la rentrée prochaine, en quelques jours. Je pense que c'est une activité qui va beaucoup te plaire, puisque tu vas leur remettre toi-même le diplôme. Ah, génial! Ouais, on y va? Ah, ça c'est top. Ok, bah on va changer d'abord, et ouais. Après on y va. Allons-y. L'ONG Kawa privilégie notamment l'autonomisation des jeunes filles, qui représentent plus de la moitié des étudiants. Pour cela, l'organisation a développé un outreach programme destiné à sensibiliser les familles précaires aux opportunités qui s'offrent à leurs filles, dont la place est culturellement à la maison. Suzanne, la fondatrice, nous a ainsi donné rendez-vous dans le village reculé de Kianga pour constater leur motivation et assister à la validation de leurs prérequis pour la rentrée. Merci de m'accueillir. Bienvenue. Merci, monsieur. If someone asks you what you do, you say I am tour guide and why I am curious, then you will give a reason why. I will need you, one of you, to stand and to introduce yourself. But I will not choose and I will give a chance to choose. You understand? Right? Yeah. Yeah, so if you don't understand, please tell me, then I will. My name is Harmon. I live at Kianga, but I am a refugee. I am a tour guide. It's really good. I'm Aurélie, I'm 42. I live in France, I'm director. My passion is to smile. Lucien. Wherever I go, I will meet her again tonight. Oh.
Alors dis-moi tout, comment tu as trouvé les informations pour aller à Kawa? Na rafiki yangu anasoma Kawa, ndo aliwahi kunihadisia kuhusu Kawa. Nilikuwa nasoma English course. Nilipomaliza kujifunza English course, nilikuwa na rafiki yangu anaitwa Seche, ndo yeye alienda kujiunga Kawa, na nilivyosikia kwamba kuna nafasi ya kuja kujifunza ili uweze kujiunga na Kawa, na kwa vile nataka yani dream yangu nataka niwe tour guide, so nikaona hii ni nafasi ya pekee kuja kujifunza, na nashukuru nimepata nafasi hii, nimejifunza hapa. Donc et pourquoi tu avais envie de devenir guide touristique? Kwa sababu kwanza najisikia vizuri kufanya kile kitu ambacho nakipenda moyoni mwangu. Halafu napenda tu kujua lugha nyingi ili nitembee katika nchi tofauti, na ndio maana nataka niwe tour guide. Dans ton entourage, tu connais des amis qui avaient envie de rejoindre Kawa et qui n'ont pas pu parce que leur famille ne voulait pas qu'elle rejoigne Kawa. So wanafikiri kwamba sio wanawake hawapaswi kuwa guide. That is their beliefs. That's why they don't allow them to join with Kawa. Donc toi, tu penses que les femmes, elles doivent aussi travailler. Elles peuvent travailler. Men can. Yeah, women can do anything that's men can do. Exactly. Je suis fière. Yes. Thank you. Touchée par la détermination de cette jeune fille de 22 ans seulement et sa soif d'indépendance, j'ai voulu en savoir plus sur son parcours et son environnement. C'est ainsi qu'elle m'a proposé de la raccompagner chez elle pour découvrir son village et rencontrer sa famille qui la soutient dans sa démarche. Tu es maman. Tu as combien d'enfants? Three children only. Girls. Yeah. All girls? Yeah, all girls. J'ai rencontré ta fille aujourd'hui. Elle était à Kawa. Qu'est-ce que tu penses toi de Kawa? Mwenyewe anapenda, ndio maana na mimi nimekubali. Kazi yote ni kazi tu. Any work, no problem. No That's problem. Why she like mm-hmm. and me also I like. Oh. T'es une super maman toi. Tu es contente alors? Parce que tu penses que c'est important de travailler aujourd'hui pour une femme? Yes. Mm-hmm. Yes. If you finish that, you will work, not only to sit in the house. Okay. Not good. Moi, j'ai vu ta fille avec des yeux pétillants. Moi, je suis aussi maman. J'ai deux enfants. Je suis aussi une femme indépendante. Et dans les yeux de ma fille, plus tard, j'aimerais avoir le regard que j'ai vu chez ta fille. Losing my direction. My bearings have me south of home. Après ces rencontres riches en émotions, il est temps pour moi de rentrer à Stone Town afin d'échanger plus longuement avec Suzanne, la fondatrice de Kawa. Non sans prendre le temps de m'émerveiller devant la beauté des paysages de l'archipel et l'authenticité des scènes de vie locale. Unaware of where my heart would flow. I was waiting in my money. My only money is my heart. Please help me, please. Je profite également d'une visite guidée menée par des étudiants diplômés de Kawa pour découvrir la vieille ville, véritable trésor d'histoire classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Si l'île est aujourd'hui devenue une destination très prisée,
J'ai été étonnée d'apprendre qu'il s'agissait autrefois d'une plaque tournante du commerce d'esclaves, où plus de 700 000 y auraient été vendus. Fatma, ça fait combien de temps que tu es guide ? I have 3 years since I was starting. Du coup, c'est une vraie chance que tu as d'être une femme indépendante. I'm so proud myself to be a guide and also to be. It's like because I don't depend with anyone else now. It's myself. Mm-hmm. So I'm proud myself. For 100%, I'm proud myself. Oh, it's really good. Et ça, c'est grâce à Kawa, c'est ça? Yes. All my thanks is to Kawa. I respect Madame Susan. I respect Kawa. I respect to IKEA Foundation because they are the one who grows me up. For somehow, I can thank her. I can thank them every day. Ça c'est génial. Alors moi j'ai envie de te faire un gros câlin et de te féliciter aussi de cette femme que tu es. Thank you. Waves that shake me out of my skin. Après cette matinée des plus instructives, il me tarde de rencontrer à nouveau Suzanne pour en savoir plus sur son centre de formation, dont elle m'ouvre grand les portes, et rencontrer la centaine d'étudiants qui composent la nouvelle promotion. Explique-moi ton école. Donc là, on est en plein cœur, et aujourd'hui, c'est la rentrée pour plein de nouveaux élèves. Et du coup, comment ça se passe ? Yeah, it's the first day. The first day. OK. Quel est le premier cours pour ces étudiants? It's audio. It's like a career development basics. So... Nobody speak French? No. No. One word? You? Tu es? Je suis étudiant. Et après, tu sais si tu veux travailler dans l'hôtellerie ou être guide? Je veux parler français. Après, je vais travailler à la Forest, Suzanne Forest. D'accord. Waouh. What is your dream? Most of them want to be guides. Okay. So we start from and motel and then uptake. A little bit of big job, yes. Quel est ton prénom? Thank you, sir. And good luck, my okay. Trust me. Ah, bonjour Suzanne. Suzanne, dis-nous, qu'est-ce que tu fais ici? Dis-nous pourquoi tu es arrivée en Tanzanie. Parle-nous un petit peu de toi. Bonjour Aurélie. I came here a long time ago. I was a tour guide for a Dutch adventure company. Then I met a group of young people. They were unemployed. And they told me that, you know, they see all this tourism, the tourists, but we don't know what to do with them. So I started first getting to know them and developing tours with them. So we started training tour guides. Mm-hmm. And recently we also started with hospitality. Tu peux m'expliquer ce que c'est que Kawa? Kawa, we have training for Zanzibar youth. The way of learning is different what we do, because we are really working on people's skills and on like what are your talents, who are you, what do you like to do. Instead of focusing on what work is available and just go for that option.
We do special outreach programs because we realized that at all the hotels on the beach sites, more than 70% of the employees, they are not from Zanzibar. And all the villages around the hotels, they don't have jobs. So what we do is we go to the villages and then we explain about what we are doing, what is a possibility in tourism for them or hospitality. Mm-hmm. We also make a link between the hotels and the village. And we focus very much on girls. Mm-hmm. So we have our policy that half of our students must be girls. Quels sont les métiers qu'on peut proposer après First of all, entrepreneurial skills. So students are encouraged to start their own businesses. Then for hospitality, it's mainly housekeeping, cooking and waitering. And tour guide is tour guide and tour operator. Mais comment ça se passe? Parce que toi, tu aides des personnes qui, justement, n'ont pas de revenus. Comment ils peuvent financer cette formation? Yeah, that is really a big problem for the students and also for us, the school fees. We allow them to pay in installments, so slowly. Mm-hmm. But the majority of the students, they are on a pay-it-forward loan. So that means that they can study first and they can pay back later when they have a job. So we make agreement with the hotels. When they hire the student, then part of their wages will go back to Kawa until they're paid for the school fees. And we don't believe in completely free education because, you know, good education, it costs money. So, you have infrastructure, you have a building. Et comment tu recrutes tes étudiants? We are really looking for students who will not be able to pay it for themselves. But in general, we are looking for the personalities. It's very important. The personality is everything. Mm. Et à partir de quel âge ils peuvent rejoindre l'école? The age is like from 18 up to 25. Okay. But if they are a bit older, it's still okay because sometimes it's nice to have a few older students inside the classroom for the balance. Mm. Yeah. Moi, je voulais revenir sur la rencontre que j'ai fait hier de cette jeune fille de 22 ans. Qui était vraiment enchantée de faire partie en fait de cette école, qui a plein de projets, qui devient indépendante, sur lequel on est allé dans sa famille. Même sa maman est fière d'elle, elle a envie de l'aider, de poursuivre ses rêves. Tu es fière de tout ça, toi aussi? Enfin, t'as ressenti ces choses-là? Yeah. I have to say that I am really proud of it. When I'm walking around Stone Town, a lot of guides that are working here, they used to be my students. And now when I go to a restaurant in Stone Town, they are also our students. So it makes me really happy to see that. Comment tu as trouvé ce nom Kawa? Kawa is like a woven thing that you put on top of your food. So it symbolizes that we cover everything. The business, the studying, we have a lot of things under our Kawa, so that's why we call it Kawa. Tu peux me dire quels sont les projets de Kawa dans l'avenir? We want to start the outreach, start schools in the outreach areas, so that the students can already study there the first two modules. Mm-hmm. And another big dream is to start a hotel school with a proper professional kitchen. So that we can give the students even more preparation for the when they start working. Mm. C'est des beaux projets. Thank you. Ouais. Thank tu peux être fier de toi parce que même nous, tu nous donnes des frissons. Tellement ton histoire est jolie, quoi. Bravo, encore bravo. Thank you so much. Je te fais un gros câlin. Si toi aussi, tu souhaites soutenir Kawa et participer au financement de formations qui permettront à des jeunes défavorisés de décrocher un emploi, rends-toi sur earthsquad.com et contribue à partir de 1 euro. Formidable voyage engagé s'annonce. Pour faire partie de la prochaine escouade, rends-toi sur artsquad.com.